beaucoup à toutes et tous. Donc, heureuse de vous retrouver les béliers, donc du 21 mars au 20 avril. Donc, votre élément est le feu. Donc, je vais commencer par vous dire un grand merci à vous tous les béliers. Donc, merci de votre confiance. Donc, voilà, je voulais commencer par ce petit message. Donc, pour cette fin d'année. Donc, on va faire votre tirage, donc aller chercher vos messages auprès des guides hein, de l'univers, donc pour votre mois de janvier 2022. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Et je ferai comme pour les autres signes, un tirage bonus mi-janvier pour vous les béliers. Donc, il y en a une qui veut venir là. Ah, nous avons l'intelligence. Donc oui, alors, n'hésitez, je ferai un tirage bonus mi-janvier pour vous tous, pour aller chercher éventuellement d'autres messages également pour vous. Nous avons l'intelligence, la carte 45, hein, donc de l'oracle des chakras. On va parler d'instruction, de connaissance, de perception, de souplesse, hein, de lumière également, faire de la lumière avec intelligence sur certaines choses peut-être cachées, secrètes. Hein. Comme si des choses du passé, en fait, vous allez avoir... j'ai le sentiment de magie aussi, comme par magie, vous allez avoir des révélations, les béliers. C'est vraiment... Il y a un petit côté, oui, magique, spirituel. Donc, on est quand même sur le chakra couronne. Donc, on parle d'acceptation, de gratitude, de paix, de compassion, d'harmonie. Donc, par rapport à ce chakra. Hein. Donc, aussi vous connecter à l'univers, hein, à vos rêves peut-être également. Peut-être que vous allez faire des rêves qui vont vous permettre de vous guider également. Donc, on va utiliser le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Ensuite, on va aller chercher votre petite couleur avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval et un petit message du petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Donc, allons-y. Allons chercher vos messages. Donc, il y a peut-être certains aussi qui vont commencer des formations également hein, dans la spiritualité. Nous avons l'arcane sans nom. On sent une transformation, hein. Fin de cycle, début de cycle pour vous les béliers là, hein, courant janvier. Alors, en tout cas un changement positif. Hein. Donc allons-y. Alors, votre premier petit message, les béliers. Ah, oui, transformation et vous voyez là. On a la carte le monde. Donc, le monde, ce que ça... Vous allez être en phase de transformation pour trouver votre place. Hein, pour être heureux. Vous allez peut-être finaliser aussi des projets. Hein, donc, y a une certaine notion de création aussi, créer. Mm. Ouais. Recevoir aussi les lauriers de vos efforts. Hein. Mm. Beaucoup d'harmonie. On a cette notion, le monde aussi, l'étranger aussi. Hein. C'est le triomphe de toute façon. C'est la réussite. Hein. Donc, la réussite va être le maître mot en fait de ce mois-ci pour vous les béliers. Donc, que ça soit professionnel ou sentimental. Hein. Et tout ce qui est étranger, en fait, tout ce qui est inconnu, va vous être favorable. Hein. Donc, peut-être aller vers l'inconnu également. Hein. Donc, apprendre aussi des choses qui vous étaient inconnues. Hein. Alors, votre petite couleur, pardon. Votre petite couleur pour votre mois de janvier 2022, les béliers. Alors, on a le rubis. On va voir si ça ressort. Je vais bien les brasser avant et on va aller voir si ça ressort.
En tout cas, il y a la valeur aussi hein, qui me ressort. Le mot valeur pour vous, les béliers, hein, pour ce mois de janvier. Nous avons la couleur corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Ouais, vous allez créer quelque chose, hein, sans doute, hein, certains d'entre vous, hein, les béliers. Hein. Ouais, allez vers l'inconnu. Hein. La nouveauté également. Développe ta force intérieure, on vous dit. Ça va également aussi avec le chakra couronne. Hein. Développez vos dons également, peut-être également. Hein. Oups. Ouais, reconnais ta valeur, on vous dit, les béliers. Hein. Donc, on a vraiment cette notion de valeur. Hein. Alors, allons-y. Allons chercher votre petit message, les béliers. Donc, je vais mieux m'installer parce que je ne me sens pas très, très à l'aise. Alors. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible, on vous dit les béliers. Très beau message. Donc voilà, on va continuer avec le tarot de Marseille pour aller chercher vos messages, les béliers. Donc, on va commencer à la coupe. Et ensuite, on fera un tirage à cette carte. Donc, je vais bien les brasser. Alors. Allons-y. Alors, mes guides. Ouf. Là, j'ai, y a une belle progression. Hein. Donc, belle progression avec des appuis solides mince. Oh, on a les échanges aussi. Hein. La tempérance. Avec des appuis solides, hein. Donc du soutien. Alors, oups. Ok, bien. De nouvelles opportunités à saisir en plus pour vous, les béliers. Ouh, la connaissance encore, hein, la papesse avec ce livre. Hein, on revient vraiment sur la connaissance. Hein. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Hein. Donc, c'est aussi une période féconde hein, qui va révéler en fait hein, de bons conseils pour entreprendre également pour vous, les béliers. Hein. Ouais, alors nous avons le 10 de coupe, merveilleux. Hein. Donc, on parle de projets favorisés, de sentiments partagés, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur. Peut-être un rétablissement pour certains d'entre vous sur un rétablissement hein, côté sentimental ou reconstruction, en tout cas volonté hein, d'avancer. Donc, suite à des difficultés familiales, hein, peut-être. Vous avez peut-être rencontré des difficultés familiales. Hein. Sentiment partagé, passionné également. J'ai cette notion. Hein. Donc, en tout cas, une situation très favorable. Hein. Donc, que ce soit matériel hein, et financier également. Hein. La passion. Hein, Ouais. Il y a une belle réussite, là. On a la reine de bâton. On parle vraiment de réussite hein, matérielle hein, pour vous les béliers. Hein. Donc, vous allez vraiment
concrétiser en fait de beaux projets. D'ailleurs, vous allez avoir très vite hein, de bonnes nouvelles. Hein. Quelqu'un va vous apporter de bonnes nouvelles. Hein. Ouais, ça peut être aussi sentimentalement. Oh, il y a une fin de cycle là, pour vous au mois de janvier, les béliers, pour voilà, en débuter un nouveau. Hein, et on a la tempérance. Les échanges vont être favorisés en fait. Hein. Ouais. Hein. Les échanges vont être favorisés pour vous, les béliers. Hein. Ah, il y a que du. Il y a du bon, hein, parce que on a cette notion de volonté, de rétablissement, de reconstruction. En fait, pour moi, c'est par rapport à des difficultés que vous avez pu rencontrer sentimentalement, familiales, aussi de déboires financiers. Vous avez eu des déboires financiers. Vous êtes des personnes, comment dire, avec cette reine de coupe, donc que vous soyez homme ou femme, hein, vous aimez partager de l'amour, donner de l'amour, ouais, vous aimez, ouais, mais vous avez été, il y a eu des blocages, il y a eu des mais c'est ça en fait, c'est vraiment. C'est vraiment rétablir une stabilité en fait hein, suite à des conflits, des tensions, ouais, des choses en fait que vous aviez du mal à réaliser. Hein. Ouais. Il y a vraiment une réussite hein, et un début de quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Et c'est la victoire, on vous dit. Hein. C'est la victoire. Hein. Eh ben c'est super, hein. C'est super pour vous. Hein. Alors vous mettez ça vraiment par rapport à votre situation, hein. Mais là je sens la fin de situation difficile pour vous les béliers pour débuter quelque chose de nouveau, récupérer de la force. Mais on vous dit, hein, c'est dans la connaissance, c'est en allant chercher les bons conseils. Ouais, ouais, y a eu avec ce roi d'épée. Il y a eu peut-être de l'opposition, hein, des choses qui n'allaient pas, hein, des blocages. Hein. Ouais. Mais vous avez des appuis solides, on vous dit, malgré ça. Ok. Ouais. Vous allez, voilà, vous allez. Rompre avec toutes les difficultés. Vous allez vraiment surpasser tout ça. Voilà, les difficultés vont être vaincues ouais, pour ramener bah, quelque chose de plus harmonieux hein. Et plus constructif aussi. C'est le message que j'ai. Plus constructif dans votre vie, les béliers. Alors allons-y. Tirage en cette carte hein, pour avoir des précisions, d'autres messages pour vous, les béliers. Pour l'instant, très beau tirage, hein, très beau. Hein. Mais voilà, il y a un travail à faire tout de même. Hein. On parle toujours de travail, hein, d'aller à la connaissance, d'être plus souple également, hein, de percevoir peut-être les choses autrement, différemment, changer d'angle de vue également. Hein. On a encore ce cavalier. Vous avez vraiment des appuis solides hein, pour entreprendre hein, quoi que ce soit. Hein. Ouais, il y a de l'action. Vous êtes dans l'action, en tout cas en ce moment. Déjà, actuellement, vous êtes dans l'action. Qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce qui me vient en fait hein, c'est peut-être que vous allez avoir besoin de vous déplacer. Hein, donc vos déplacements vont être favorisés. Vos projets, que ce soit personnel ou professionnel, vont vraiment en fait vous permettre là. Ces actions vont vous permettre en fait vraiment. D'atteindre votre but en tout cas. Hein. Quel que soit votre but, il va être, vous allez pouvoir l'atteindre. Hein. Ouais. Il y a eu des choix à faire hein, dans votre passé important et vous êtes en train d'entreprendre, en tout cas, ça c'est certain, de faire des choix importants. Peut-être d'être dans la négociation aussi. Hein. Alors, nous avons le 7 de coupe là. Donc, vous avez peut-être peur de la vision que vous pouvez avoir de certaines choses, peut-être de vous tromper aussi. Hein. Vous avez peur aussi
de ne pas être assez créatif, que les idées ne vous viennent pas hein, actuellement peut-être, hein, de ne pas relever certains défis ou certaines difficultés. C'est votre peur, simplement là. Oui, alors il y a eu des déboires, vous êtes l'influence, ça, c'est vos déboires financiers également. Peut-être que vous avez peur justement de ne pas surmonter en fait vos problèmes financiers. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose là, déboires financiers, peut-être qu'on a abusé de vous, peut-être qu'il y a eu une perte financière là. Hein. Oui, mais bon, vous voyez là, avec ce valet de denier, moi j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui arrive qui est riche, donc qui est riche, que ce soit financièrement ou spirituellement. Vous allez, comment dire, hein, récolter beaucoup de connaissances. Que ça soit spirituellement, mais financièrement aussi, vous allez récolter beaucoup après. Après, toutes les actions pour atteindre votre but, que ça soit professionnel, ouais, vous allez vraiment vous enrichir, en tout cas, hein, dans tous les domaines. C'est vraiment, ça. Vous allez vous enrichir. Hein. Donc, que ça soit sentimentalement, spirituellement, voilà, il n'y a pas que le côté financier. Je vois un enrichissement, mais... pur, hein, donc pur pour vous. Hein. Je vais recouvrir hein, le roi de denier et le valet de denier pour avoir des petites précisions. Alors, vous avez, suite à vos déboires financiers, moi, j'ai la sensation en fait que vous allez apprendre à mieux placer, à faire de meilleurs placements, plus rentables, pour justement ne plus vous retrouver dans cette situation. Ouais. Y a une réussite hein, sur le fait que peut-être que vous avez mal géré aussi, hein. Vous mettez ça par rapport à votre situation. Peut-être que c'est simplement vous qui avez mal géré hein, certaines situations, que ce soit financière, sentimentalement. Et là, on dit que là, avec ce 7 de denier, j'ai vraiment une belle... non, c'est 7 de bâton, excusez-moi. Donc, 7 de bâton, on parle vraiment de réussite. Hein. Voilà, d'abondance. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il y a de la valeur en fait, vraiment cette notion de valeur. Redonner de la valeur en fait à votre vie. Vous allez donner vraiment une valeur inestimable à votre vie là. Il y a une belle réussite. Hein. C'est magnifique, hein. Très beau tirage. Hein. Donc en dos de deck, nous avions ben, des remises en question. Oui, vous faites des remises en question. Vous êtes dans la réflexion, mais très positive, hein, par rapport à une ruine que vous avez vécue. Ouais, vous avez vécu la ruine, hein, un écroulement, un effondrement. Alors, effondrement, ça peut être, j'ai envie de dire, ça peut être dans différents domaines, là, hein. Pour vous les béliers, ça peut être un divorce où vous en avez perdu aussi hein, financièrement, ça peut être un licenciement. En tout cas, on parle que de toute façon, cet effondrement vous a aussi fait perdre une grosse somme d'argent, sûrement. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette notion de rétablissement, de reconstruction également. Hein. Ouais, vous étiez à un moment en manque d'action, en manque de réflexion positive, mais là, vous allez en sortir. Parce qu'en fait, vous étiez en train de vivre une grande tristesse, un moment de solitude, d'enfermement. Hein, donc voilà, et puis, ouais, du coup, vous étiez bloqué, hein, bloqué financièrement. C'est vraiment bloqué
pour éventuellement une nouvelle association également, hein, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Ouais. Il y a quelqu'un, en fait, vous avez des appuis solides, c'est ça le truc. C'est que vous avez des appuis solides, hein, heureusement. Et on a encore cette notion, hein, de choix important à faire. Hein. De choix important à faire. Il y a des remises de documents qui vont être faits. Hein. Vous êtes peut-être en attente de signer des papiers, des documents avec ben, la justice, hein, pour justement, peut-être par rapport à un licenciement, à un divorce, justement, pour ce nouveau commencement, pour débuter quelque chose de nouveau là. Hein. Parce que toutes les lumières n'ont pas été faites, sans doute. Hein. C'est surtout ça, en fait, qu'on me dit. Mais le changement arrive. Mais voilà, le changement arrive, mais toutes les lumières n'ont pas été faites. Hein. Il faut attendre, en fait, que, comment dire, que le temps passe, en fait. Hein, que le temps passe, en fait. Hein. Le temps de comprendre aussi. Parce qu'il y a cette notion de prise de conscience également, hein, positive, hein, pour vous. Eh ben, c'est plutôt pas mal pour vous, hein. Donc, les béliers, je suis plutôt sereine pour vous, hein. Alors, ah ben. Alors voilà, pour vous les béliers avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Votre message, c'est utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ma prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez tout simplement la situation, les béliers. C'est ce que j'ai dit, vous alliez peut-être faire des rêves en fait qui vont vous permettre. Donc c'est pour ça, utilisez votre imagination en fait et vous verrez la réponse à vos questions, hein, ou à une question, hein, également. On va aller chercher des messages également avec messages de nos anges. Oh. Victoire, hein, les béliers avec Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt réalisés. Continuez comme ça, les béliers. Donc, est-ce qu'il y a d'autres messages de nos anges, de Dorine Virtue, mes guides, pour les béliers? Nous avons Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore, on vous dit, les béliers. Donc, il y a des choses encore qui n'ont pas eu lieu, mais le changement positif. Hop là. Et nous finissons avec Sonia. Sonia qui vous dit, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi, on vous dit. Donc, Sonia. Donc, voilà pour vous les béliers. Donc, on va finir avec un message de mon oracle par Lulumineuse et Margot Montin. Donc, pour tous les autres signes, si vous voulez revenir sur ce petit message de mon oracle, donc c'est un message d'état d'esprit, de bonne énergie pour vous, hein, pour votre mois de janvier 2022. Donc, je vais le mettre sur Facebook, donc Chat Noir Guidance. Si vous voulez y revenir, donc n'hésitez pas à m'ajouter, hein, si vous avez besoin. Donc voilà, des petits messages. Donc, ou éventuellement, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours éventuellement me demander par mail. Alors, mes guides. Mes anges. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers, votre message. Oui, donc, n'hésitez pas à me demander si, également par mail, je vous enverrai, hein, tout simplement, pour que vous puissiez voilà, y revenir si besoin. Donc, celle qui m'appelle, c'est celle-là.
Alors, nous avons pour vous les béliers. On est vraiment dans la... être créatif, hein. Folie des grandeurs. Je vais fabriquer des trucs. Je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir, on vous dit. Tu es très créative en ce moment, ou créatif, hein, ça peut être pour les hommes aussi, hein. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives, on vous dit les béliers. Donc voilà votre dernier message, plein d'énergie, plein, très créatif, hein, voilà. Plein de dynamisme aussi, hein, je ressens, hein, du dynamisme qui vient à vous. Donc voilà les béliers. Donc je vais vous souhaiter un très bon réveillon de fin d'année pour ceux qui, bah, qui vont pouvoir le fêter avec leurs amis, leur famille, partager en ce moment, même seul. Hein, moi, je serai avec mes enfants et mon conjoint. Ça me va très bien également. Donc voilà, donc une très bonne fin d'année et puis je reviendrai vers vous, bien sûr, pour vous souhaiter une très belle année 2022. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.